La province de Ouarzazate qui a effectivement enregistré d'importantes chutes de neige ces derniers jours, ce qui a provoqué des blocages sur certains axes routiers. Pendant toute la journée, les déneigeuses étaient à pied d'œuvre pour rétablir la circulation. Un reportage de Nzeb Azizi, l'Assemblée Halim et Adil Lutete. Les chasse-neige réinvestissent les routes près de Ouarzazate. Au cours des dernières heures, ces imposants véhicules ont été largement sollicités pour faire face à d'importantes chutes de neige dans la région. Des précipitations qui ont eu comme résultat la fermeture de plusieurs axes routiers. Les axes qui ont été fermés sont les routes nationales numéro 9 et 10. Il est également question de la route provinciale 1510, où d'importants moyens logistiques ont été déployés pour désenclaver les villages relevant de la commune de Tidili. La vie dans la commune d'Emrzgan semble s'être arrêtée. Les fortes chutes de neige y oscillent entre 40 et 60 cm, ce qui a contraint des véhicules par dizaines à l'arrêt dans l'attente de meilleures conditions pour prendre la route. C'est plus compliqué du côté d'Irem, mais à partir d'ici, on roule sans trop de problèmes. Même si on trouve des zones avec 50 cm de neige, pour les véhicules légers, c'est un peu difficile. Après plusieurs heures de travail, les chasse-neige ont finalement dégagé les axes routiers bloqués par la neige. Toutefois, la vigilance reste de mise si vous êtes amené à prendre la route par ces conditions météorologiques. Et effectivement, un peu partout sur les hauteurs du royaume, les services de l'équipement sont particulièrement mobilisés pour dégager plusieurs dizaines de centimètres de poudreuse qui recouvre l'asphalte. Le balai des véhicules, vous le voyez, est incessant sur le réseau routier afin de limiter au maximum l'interruption de la circulation. Une mobilisation de tous les instants, d'autant plus que de nouvelles chutes de neige sont attendues dès demain sur le Haut-Atlas et ses versants sud-est.